Jésus. Wow. Oh Seigneur, nous te sommes tellement reconnaissants de ce que tu fais, de ce que tu as fait pour nous, de ce que tu fais en nous, de ce que ta grâce fait de nous. Tu nous as pris là où nous étions, mais tu ne nous laisses pas là où nous étions. Amen. Nous te rendons grâce de ce que jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, tu nous conduis sur les pas de nos destinées, au cœur de ta volonté. Et nous te rendons grâce, Père, parce que assurément, nos vies seront utiles. La lumière que nous sommes brillera. Ce sel que nous sommes impactera la terre. Et nos vies te révéleront. Nous ne serons pas connus dans cette vie seulement à un nom apparaissant sur un tombeau. Non. Le potentiel sera relâché. La grâce sera manifestée. Les capacités seront visibles. Christ sera révélé, constaté, certifié, attesté, reconnu, célébré, élevé, magnifié. C'est ce que ta grâce fera. Voilà pourquoi, Père, nous n'attendons pas la manifestation pour te rendre grâce. Nous te rendons grâce, on avance. Croyons dans ta fidélité. Croyons dans tes compassions, dans ton immense bonté. Ce matin, nous voulons prier que tu gouvernes nos vies. Nous voulons te demander de consoler ceux qui sont affligés. Nous voulons te demander de relever ceux qui sont tombés, de guérir ceux qui ont le cœur brisé. Nous voulons te demander de nous envoyer encore ta parole et de nous construire. Potier de nos vies, nous sommes ton argile. Façonne-nous à ton image, à ta ressemblance, jusqu'à ce que Christ soit pleinement formé et que tu sois visible. Béni sois-tu, Abba Père. Oh, 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 oh. Nous voulons te remercier pour nous avoir amenés sur la montagne à la rencontre du Dieu très haut. Nous voulons demeurer sur cette montagne, la montagne de ta communion, la montagne de l'intimité, la montagne de la romance avec Dieu, la montagne de la consécration, la montagne de la gloire de Dieu. Nous te remercions, Abba Père, de ce que tu ne nous laisses pas où nous sommes. Et même par rapport à hier, emmène-nous encore en permanence de gloire en gloire, en permanence de profondeur en profondeur, jusqu'à la plénitude de la divinité, jusqu'à ce que Christ soit pleinement visible, formé en nous, jusqu'à ce que ton cœur prenne plaisir, alors que ce que tu n'as pas agréé soit consumé, Abba Père. Que les œuvres des ténèbres soient consumées par le feu de ta sainteté. Que les œuvres des ténèbres soient consumées par ton feu, Abba Père. Emmène-nous dans tes hauteurs. Emmène-nous, Seigneur, en longueur. Seigneur, emmène-nous en largeur. Emmène-nous en hauteur. Emmène-nous en profondeur. Abba Père, fais infiniment, abondamment, infiniment, au-delà de ce que nous demandons. Viens nous nourrir par ta parole. Viens guérir nos cœurs et nous façonner. Viens former pleinement Christ en nous. Oh, nous te supplions, fais ton ministère. Emmène-nous, Seigneur, à rayonner. À rayonner de toute ta splendeur. Emmène-nous à te rendre visible.
Amène-nous à te certifier. Amène-nous à vivre ta volonté. Aucune volonté hors de ta volonté. Oh, ne nous laisse pas un cœur qui n'est pas ton cœur. Ne nous laisse pas faire des œuvres qui ne sont pas tes œuvres. Délivre nos vies de la stagnation. Délivre-nous, Père, du tourner en rond. Délivre-nous de retourner en arrière. Amène-nous comme des flèches au cœur de ta volonté. Offre de nous, Seigneur, des témoignages à la gloire et à la louange de ton saint nom. Ô Christ, sois pleinement formé. Ô Christ, sois pleinement certifié. Sois pleinement constaté. We won't be satisfied with anything ordinary. No, 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 no. We won't be satisfied at all. Oh, oh, oh. We won't be satisfied. No, 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 no. Ordinary, no, no. We won't be satisfied at all. Je ne suis pas non. Je ne suis pas. Ah non, 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 non. Alors je t'en supplie. Ce matin encore, instruis-moi, construis-moi. Fais-moi grandir encore en stature, en sagesse et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Ce matin encore, embrase-moi, consume-moi, fortifie-moi. Oh, ce matin encore, gouverne tous les domaines de ma vie. Ce matin encore, sois constaté, sois attesté. Ce matin, conquiers-moi encore. Oh non, 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 je ne suis pas satisfait. Seigneur, je ne me laisse pas là où je suis. Non, toujours plus haut, allons. Saint-Esprit dans les hauteurs, avec Dieu dans les hauteurs, avec toi dans les profondeurs, de la connaissance, dans l'enracinement, de l'expérience de Christ. Oh, je ne suis pas satisfait. Oh, il y a tellement plus grand que là où je suis. Allons-y, Saint-Esprit glorieux, emmène-nous jusqu'à ce que l'homme de Galilée soit pleinement formé en nous. Jusqu'à ce que ta gloire soit visible au milieu des ténèbres de notre époque, de notre génération. Oh, nous t'implorons, nous te supplions. Non, 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 non. Oh, ne reste pas là. Allons encore plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Comme les aigles, comme un aigle, comme un aigle. Amène-nous, comme un aigle, comme un aigle, comme un aigle. Magnifique, awesome God. Oh, awesome God. Recapala, ikoto parikatasa, ikaprate soko pala masha. Oh, some God! Che abaroko tosia. Oh, embrasse les cœurs, emmène-nous à la conversion véritable. Oh, nous t'implorons que ta gloire soit visible dans notre époque comme jamais auparavant. Oh, magnifique sauveur, magnifique, magnifique rédempteur. Non, 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 non. Et Arabade, Chakabara, oh, bâtis-nous, emmène-nous à ressembler à Jésus-Christ. Oh, nous t'implorons, nous sommes désireux. Oh, non, 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 je ne suis pas satisfait, Seigneur. Soupir, entends Père nos gémissements, envoie ta parole, bâtis ton église, fais ta volonté, et Seigneur, instruis-nous encore ce matin, fais infiniment, abondamment, bien au-delà de ce que nous demandons ou nous pensons.
par ta puissance qui agit en nous. Nous te remercions de ce que tu nous construis. Honneur, louange et gloire à toi. Sagesse, force et action de grâce. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Accorde-nous d'être traités selon ta parole, amen. Selon la voix de nos supplications. Amen. Amen. Thank you, Lord. Amen. We bless you, welcome you. Nous t'honorons, nous t'accueillons, magnifique Esprit de Jésus. Merci encore pour ton ministère au milieu de nous, au nom de Jésus. Le Christ, nous t'avons ainsi prié. Avec l'action de grâce. Amen, 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 amen. Bienvenue à toutes nos églises ce matin connectées dans toute la francophonie et au-delà de la francophonie désormais. Nous saluons, nous acclamons Dieu pour les églises. Amen, amen. On acclame le Seigneur. Nous saluons un patron chrétien dans la Caraïbe, en Afrique, en Amérique, en Europe, dans les îles et en Afrique du Nord et à Dubaï aussi ce matin. Amen. Et on va continuer cet homme à Atlanta et bientôt, bientôt à New York City. New York. Ah, je ne vous ai pas dit, hein. Bon, en fait, je vous annonce bientôt ICC. Bon, on a libéralisé avec Pasteur Mohamed. Donc, il a commencé déjà ici. Donc, bientôt ICC à Abidjan. Amen. Quelqu'un dit gloire. Et on ira partout, hein. On ira partout aux États-Unis, partout là, partout. Là où il y a des gens qui veulent Dieu, la gloire de Dieu, pas la religion. Des gens qui veulent le Dieu qui s'exprime à ICC, on arrive là-bas. Amen. Acclamons Jésus. Acclamons le Seigneur. Seigneur, merci d'inspirer les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. 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 Et vous asseoir dans sa présence. Alléluia. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Le Seigneur nous a tellement fait du bien cette semaine. Alors pour ceux qui débarquent le dimanche, on te comprend. C'est normal que tu n'aies pas été là. Nous, on ne voulait pas de toi. Non, on ne voulait pas de tout le monde. Les 48 heures, ça a été ciblé, c'était pour un type de personne précise. Donc si tu demandes c'est quoi les 48 heures, c'est bon. Tu es au bon endroit. Toi, c'est le dimanche qu'il fallait venir. Mais sinon, ton voisin était là. Avant-hier, non, de mercredi à vendredi, il y en a qui étaient là, tu comprends? Et ceux qui étaient là, vraiment, ont été convoqués spécialement par Dieu. Voilà. Donc maintenant, si tu veux te repentir et racheter le temps, tu peux prendre la vidéo et puis te remettre dans l'atmosphère, parce qu'on est nombreux à se remettre dedans et ce sont les mêmes émotions qui ressortent. Et aujourd'hui, on est juste reconnaissant, alors on acclame la présence de Dieu. We thank you, Lord. We thank you. Assurément, Dieu n'est pas un Dieu de théorie. Dieu n'est pas un Dieu de discours. Dieu est un Dieu d'expérience, de révélation et de démonstration. Dieu n'est pas dans la théorie. Quand il parle, à un moment donné, ce qu'il dit, on sait que c'est lui qui parle lorsque c'est démontré. Quand ce n'est pas démontré, c'est la théorie seulement. Est-ce que quelqu'un me suit? Et durant ces 48 heures non-stop de prière que nous venons d'avoir cette semaine, le Seigneur a vraiment authentifié, il a confirmé, il a démontré que monter sur la montagne, dont on parle depuis plusieurs semaines, n'est pas un mythe, n'est pas un concept, mais que c'est une expérience possible, accessible, disponible, et que ce n'est pas de la motivation. Je n'ai pas entendu. On a vu véritablement, on a expérimenté, chacun d'entre nous, et ce qui est impressionnant, ce sont les témoignages de partout, mais de partout. Toutes les églises connectées, les gens étaient en larmes, en pleurs. On m'a dit qu'il y a des gens, il y a des églises, on a dû évacuer des gens tellement il y avait des manifestations. C'était terrible, c'était terrible, c'était terrible. Une fournaise a envahi la terre. Tu as vu cette semaine encore, tu le savais déjà, mais tu as vu la démonstration de comment il est possible que le ciel envahisse la terre.
et que le surnaturel de Dieu devient tellement présent que tu ne peux pas contester sa présence. Oh. Est-ce que tu étais là? Est-ce que tu étais là, toi? Qui, levez les mains, parce que j'ai l'impression que je ne parle pas à une personne. Qui était au 48? Lève la main, toi qui as participé au 48 heures non-stop. Hein? Ok, donc comme je vois ton voisin, lève pas la main, je comprends. Mais toi, acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Non, c'était juste glorieux. C'était juste glorieux. Le genre d'expérience qui te rendent humble. Qui te rendent humble. Et comme on a dit, c'est une vie qui te donne juste envie de rester dedans. Mais c'est tellement fort. Et Dieu m'a dit qu'il a permis ça. Il a confirmé. On a enseigné monter sur la montagne. Si c'était resté un enseignement, tu n'aurais pas cru que c'est possible. Maintenant, tu sais que c'est possible. Il m'a dit qu'il a permis ça afin que tu reconnaisses qu'il est possible de monter sur la montagne. De quitter la dimension de la carnalité où on se nourrit des informations du monde pour entrer dans la dimension de l'expérience de sa présence où on entend le son de sa voix, où on ressent sa consolation, sa main étendue. Il est possible d'expérimenter la dimension où sa présence est tellement intense que tous les autres noms disparaissent. Sa présence est tellement intense que toutes les montagnes de peur, de géants, de blessures intérieures, de démons, d'infirmités, de douleurs, fondent comme la cire, c'est-à-dire comme la bougie, devant la présence de sa majesté. J'ai plein de gens. En fait, la vérité, c'est qu'on a plus de gens qui ne témoignent pas que de gens qui témoignent. Mais ce n'est pas qu'ils font exprès. C'est que j'en ai tellement. J'étais malade, j'étais comme si. En sortant de là, tout a disparu. J'étais abattu. En sortant de là, c'est comme si un feu m'a pénétré de l'intérieur et a tout calciné. Donc les gens se disent, bon, mais c'est un témoignage, c'est tellement banal. Donc, je comprends que tu témoignes pas. Bon, après, c'est tout le monde de témoigner. Mais il n'y a pas quelqu'un qui est sorti de là indifférent. Une expérience de la présence de Dieu. Une expérience de la présence de Dieu où les prisons qui te retenaient à double tour, triple tour, quadruple tour, quintuple tour, les prisons qui te retenaient fondent comme la cire. C'est-à-dire qu'une gloire rentre dans les prisons qui t'avaient enfermé. Le rejet, la peur, l'amertume, la masturbation, tu sais, la culpabilité. Et puis soudainement, toutes ces voix-là fondent comme la cire devant la présence de sa majesté. Pourquoi? Parce que tu as eu soif du Dieu jaloux. Le Dieu jaloux a dit, je viens la récupérer. Oh, c'est ce qui t'est arrivé. C'est ce qui t'est arrivé. Il n'y a pas une blessure de l'âme, un traumatisme qui puisse résister devant la gloire. Ça peut résister à la prédication, aux enseignements. Mais la gloire, ce n'est pas une prédication. La gloire, c'est une présence manifeste. C'est comme un volcan qui atterrit dans ta vie et qui enlève tout sur son passage. Oh non, je veux vivre dans cette présence. Et la vérité, c'est que, tu vois, Dieu a permis ça pour que tu aies un aperçu du ciel sur la terre. Pour que tu aies un aperçu de la vie, de la gloire qui nous attend dans l'éternité. Ça, ce sont juste des petits grains de sable. Mais à quoi ça va ressembler? Si une telle présence te met dans tous tes états. Mais t'imagines un peu. Voilà pourquoi, quand tu vas voir Jésus face à face, tu ne lui diras pas, pourquoi sur la terre tu as permis ça? Tu as permis ça? Je vais te dire ça. Quand tu vas le voir, tu vas se dire, oh mon Dieu. Et toutes tes larmes seront essuyées. Et toutes tes blessures vont disparaître. Il va te consoler. Juste sa présence manifeste te console. Et c'est comme si elle te fait sortir de la conscience du temps. Et tu rentres dans une conscience de l'éternité. Une présence que tu désires en permanence. Voilà l'expérience des gens qui sont morts dans le Seigneur. Et voilà pourquoi ils n'ont pas envie de revenir. Parce que quand tu vas goûter à ça, tu deviens capable de dire comme Paul, bon ok, en vérité, je suis pressé de deux côtés. Si je dois partir, je reconnais que c'est la meilleure des choses. Mais je vais rester encore pour votre édification. Mais quand je vais partir, ne vous lamentez pas. Pleurez, il n'y a pas de problème, c'est normal.
Mais ne dites pas, oh, pitié de lui. Oh non, dites heureux est-il, car il est écrit, heureux dès à présent ceux qui meurent dans le Seigneur. Ah. Donc voilà, voilà pourquoi le jour où toi et moi on partira, on va pleurer, il n'y a pas de problème, hein, on va pleurer. Mais on ne va pas se lamenter à ton sujet. Il faudra se lamenter à propos de ceux qui sont là et qui ne sont pas sauvés. Mais à propos de ceux qui sont partis avec lui dans la gloire, ah non. Ne dis pas pauvre de lui, ah non. Dis béni, heureux il est. Et je veux le suivre moi aussi. Amen. Amen. Ta vie va inspirer ta génération à suivre Jésus. La gloire que tu vas manifester va dire aux gens, moi aussi je veux vivre cette gloire, moi aussi je veux suivre Jésus. Ils ne diront pas je veux la religion, ils diront si c'est ça Jésus, je le veux. Tu as entendu, hein? Musulmane marocaine, elle a expérimenté la gloire. Elle est rentrée dedans. Toute personne qui expérimente cette présence-là sait que ce n'est pas la religion. Et c'est ça que tu transportes. C'est la grâce que tu as reçue. C'est là, tu es devenu un homme, une femme de la présence de Dieu. Ah. Ok, c'est pour toi qui acclame là. L'autre là, bon, il n'était pas là. Ah, quelqu'un dit gloire. Maintenant, toutefois, quand même, l'Esprit m'a dit de te dire que, tu vois, cette capacité à vivre l'expérience de la présence manifeste de Dieu, cette capacité, bien-aimé, dépend entièrement de l'état de ton cœur. Parce que contrairement à Satan, qui s'impose, même quand tu ne veux pas de lui, les démons, tu vois pourquoi? C'est pour ça qu'il n'a pas dit, vous demanderez aux démons de partir. Non, il dit, vous les chasserez. Pourquoi? Quand il vient, quand tu dis, je ne veux pas de toi, non. Or, Dieu, quand tu ne veux pas de lui, il s'éclipse. C'est un gentleman. Il respecte le libre arbitre. Il respecte ta volonté. Satan, même quand on ne veut pas de lui, il veut se forcer. Mais dans ta vie, il dégage de force. Il dégage. Donne amen si c'est à toi que je parle. Quoi, tu as trop crié pendant les 48 heures de ça? Mais moi, j'ai crié plus que toi, non? Hein? Bon, alors donne encore un bon cri pour Jésus-Christ. Oh. Comment? Mais j'ai crié plus que toi. Miséricorde. Si tu es là, tu dis amen. Donc, l'Esprit m'a dit de te dire que quelle que soit l'intensité de sa gloire, ta capacité à vivre cette gloire, cette présence, va toujours dépendre de l'état de ton cœur, parce qu'il ne peut pas forcer ton cœur. Voilà pourquoi, quelle que soit l'intensité de la présence de Dieu qui est en train d'être manifestée, il y a toujours des gens qui font le choix volontaire de mépriser la présence de Dieu, de fermer leur cœur, et Dieu ne les touche pas, pas parce qu'il n'est pas là, mais parce qu'ils ont fermé leur cœur. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a toujours des gens qui méprisent la présence de Dieu, même quand elle est palpable et manifeste. Et tu le vois lorsque Jésus a ressuscité Lazare. Lorsque Jésus a ressuscité Lazare, dans Jean 11, verset 44, à 46, il est écrit, et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus dit, déliez-le et laissez-le aller. Verset 45, plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui. Il dit amen. Plusieurs ont cru, ils ont dit, oh mon Dieu, c'est trop fort. Une manifestation de la présence et de la puissance de Dieu sans précédent. Un mort depuis 4 jours ressuscite. Dieu merci. Plusieurs ont cru. Mais il est écrit, quelques-uns d'entre eux, malgré ce qu'ils viennent de voir, jamais homme n'a ressuscité quelqu'un qui est mort depuis 4 jours. Mais il y a toujours quelques-uns qui allaient trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Ils sont allés accuser Jésus. Mais au lieu de dire non, c'est trop fort comme les autres, il y a toujours une poignée de gens qui vont dire, ils sont fâchés, il a ressuscité. Donc du coup, à cause de leur rapport, les pharisiens, les docteurs de la loi, ont décidé qu'il fallait crucifier, tuer Jésus, il fallait aussi tuer Lazare. Oh, dis avec moi, oh. Et la vérité, c'est que c'est toujours la même réalité. Quand Dieu est en train de se mouvoir quelque part, il y a toujours des gens qui vont croire, qui vont reconnaître quand sa présence est palpable et manifeste,
Mais il y en a toujours dont le cœur est tellement endurci qu'il préfère rester insensible à ce que Dieu est en train de faire. Et c'est à ce genre de personnes-là que l'Esprit a parlé, parce que j'ai réécouté moi-même ce qui est sorti de la bouche de son serviteur le vendredi. Et c'est à ce genre de personnes que l'Esprit a parlé le vendredi, si tu as été connecté. Il leur a donné un avertissement. Il les a mis en garde. Des gens qui veulent toujours braver la parole de Dieu. Et des gens qui sont inspirés par le diable, saisis par l'ennemi, pour, pas pour pécher eux, mais pour encourager les gens à pécher. Pour pousser les gens à pécher. Pour pousser les gens pour qui le sang de Jésus a été versé, pour les pousser à tomber. Il y a des gens mandatés par les ténèbres. Et c'est à ce genre de... Et vous savez que vendredi, après la prière du soir, là, vendredi, juste à la fin, il y a quelqu'un dehors, là, qui a convoqué des... Il est sorti à la sortie, il a convoqué des gens. Et puis, il avait quatre jeunes, c'est ça, hein? Et puis, il dit à des gens, non, mais n'écoutez pas ce qu'a dit le pasteur, hein? N'écoutez pas ce qu'il a dit. Dieu est amour, n'écoutez pas. Continuez, faut coucher, faut faire des bêtises, n'écoutez pas, Dieu est amour. Donc, c'est pour ça que, à côté de toi, là, qui ne sait pas qui est assis. Mais non, à côté de toi, c'est quelqu'un de bien. Mais il y a toujours des gens pour provoquer Dieu. Pousser les autres. Si tu veux tomber, tombe. Mais ne pousse pas les autres à tomber. Comment après une telle présence, une telle atmosphère, où tout le monde a été saisi, il y a toujours des gens, pour ne pas être saisi, il ferme son cœur. Non, ne touche pas. C'est pour ça que quand tu adores, adore. Si tu veux faire comme moi, ferme les yeux parfois. Parce que quand tu ouvres les yeux, tu peux être anesthésié, refroidi par. Mais comment on est en train de pleurer, toi tu es là. Ah. Pardon, voisin. Je te l'ai regardé une seule fois. À partir de maintenant, je ne te regarde plus. Je préfère regarder au ciel, regarder à Dieu. Parce qu'il y a des gens, ils t'anesthésient. Un dirait un congélateur du vivant. Hey! Dans cette présence-là, non. Non, mais remets-la à la maison. Remets-la à la... Mais non. Mais nous tous, on a perdu nos moyens devant la présence de Dieu. Oh. Mais comment tu fais pour être un dirait dur, un dirait un béton armé? Non. Miséricorde. Je voudrais te mettre en garde. Dans Apocalypse chapitre 2, au verset 14, Dieu dit, je dis avec l'argent du semeur, « Tu as chez toi des gens attachés à la doctrine de Balaam qui avait appris au roi Balak à tendre un piège aux Israélites pour les amener à pécher en mangeant deux, en faisant deux choses. Un, en mangeant des viandes sacrifiées aux idoles ou encore des viandes provenant de sacrifices offerts aux idoles. Et deuxièmement, des gens qui emmènent les autres à pécher en se livrant à la débauche. » Il y a des gens qui te disent que la débauche, la fornication, la masturbation, coucher en dehors du mariage, c'est pas grave, Dieu est amour. Il y a des gens comme ça. Non, tu peux adorer Dieu, tu peux prier Dieu, mais adore aussi les saints, adore aussi les morts, adore aussi les cadavres, adore aussi les statues, adore aussi l'esprit des eaux, l'esprit des forêts. Il y a des gens comme ça. Ce sont des gens attaché à la doctrine de Balaam, qui encourage les croyants, au nom de Dieu est bon, Dieu est amour, à tomber, à se rebeller contre Dieu, pour être rejeté par Dieu. Et ce genre de personnes-là, j'ai vu que Jésus est offensé. Parce que son sang a coulé pour eux. Tu comprends? Donc si tu veux tomber, tombe tout seul. Mais arrête de plonger les gens avec toi. Arrête d'entraîner les jeunes filles. Les jeunes filles nées dans la maison, enfantées dans la maison, qui ont donné leur vie à Jésus, qui sont encore fragilement, émotionnellement encore fragiles et qui ont besoin de guérison. Et toi, tu viens comme un prédateur et tu viens, tu fais un carnage. Bon, il faut arrêter ça, hein? T'as compris? Ouais. Faut arrêter ça. Bon, toi aussi, ma soeur, un homme, deux hommes, trois hommes, faut arrêter ça. Voilà. Mais on sait que tu n'es pas méchante. C'est pas toi.
C'est spirituel. On n'est pas obligé de subir ça. On n'est pas obligé d'être un instrument entre les mains du diable pour détruire le destiné des gens. Donc, il faut arrêter ça parce que la présence de Dieu est dans cette maison. Et j'ai ressenti que l'esprit n'est pas du tout content et que tu t'exposes toi-même. C'est pour ça que vraiment, moi j'ai appris, vous savez, en apparence, tout le monde est chrétien, tout le monde est croyant, tout le monde va à l'église. Et puis des fois, on ne comprend pas des choses qui se passent dans l'église. On ne comprend pas comment quelqu'un qui est là, qui prie, qui lève les mains. En fait, tu ne sais pas qui lève les mains. Tu ne connais pas l'état de son cœur, tu ne sais pas. C'est pour ça que Paul dit, hein, c'est pour cela. Prend la Sainte-Seine, mais il ne sait pas que ça va finir par le juger. C'est pour cela. Et même s'il ne prend pas la Sainte-Seine, c'est pour cela que plusieurs parmi vous sont malades et d'autres sont morts. Donc le Seigneur a vraiment compassion de son peuple et il interpelle. Alors il y en a qui sont faibles, on prie pour eux. Mais il y en a, c'est volontairement. Volontairement que tu viens pratiquer la sorcellerie. Volontairement que tu veux faire du mal. Tu veux détruire les destinées. Ah, toi, je t'assure que la main qui est sur nous, là, va t'arrêter grave. Vaut mieux que tu t'arrêtes avant qu'elle t'arrête. Vaut mieux que tu t'arrêtes avant qu'elle t'arrête. Vaut mieux que tu te juges avant qu'elle te juge. C'est à ce genre de personnes que Dieu a parlé. Dans Hébreux chapitre 10, au verset 26 à 31, il est écrit, « En effet, si après avoir reçu la connaissance de la vérité, nous vivons délibérément dans le péché, il ne reste plus pour nous de sacrifice pour les péchés. La seule perspective qui nous reste, c'est alors l'attente terrifiante du jugement et le feu ardent qui consumera tout ce qui se révolte contre Dieu. Celui qui désobéit à la loi de Moïse est mis à mort sans pitié. Si deux ou trois témoins déposent contre lui, à votre avis, si quelqu'un couvre de mépris le Fils de Dieu, voilà ce que l'on fait lorsqu'on vit délibérément dans le péché. Si quelqu'un couvre de mépris le Fils de Dieu, s'il considère comme sans valeur le sang de l'alliance par lequel il a été purifié. Troisièmement, s'il insulte le Saint-Esprit qui nous transmet la grâce divine, ne pensez-vous pas qu'il mérite un châtiment plus sévère encore? Parce qu'il fait trois choses. Un, il méprise le Fils de Dieu. Deux, il banalise le sang versé pour sa rédemption. Trois, il insulte le Saint-Esprit qui transmet la grâce de Dieu. Alors verset 30, il dit, nous connaissons bien celui qui a déclaré, c'est à moi qu'il appartient de faire justice. C'est moi qui rendrai à chacun selon son dû ou encore... Voilà, chacun selon son dû. Et encore, le Seigneur jugera son peuple. Il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Ne tombe pas entre les mains du Dieu vivant. Alors tu comprends, Dieu est bon, il est miséricordieux. Mais il est aussi un feu dévorant. Au nom de Jésus. Amen. Alors, mon point est de te dire ceci. Quelle que soit la démonstration de la présence et de la puissance de Dieu, dans une atmosphère, tout ce qui va sortir de toi, tout ce que tu vas pouvoir faire en toi, de toi, par toi, va toujours dépendre de l'état de ton cœur. Parce que ton cœur, c'est le ciel de tes émotions, de tes sentiments, de ta volonté, de tes pensées. Ton cœur, c'est l'usine de fabrication de ta vie. L'usine de production de tout ce qui doit sortir de ta vie, c'est ton cœur. Et Dieu qualifie, approuve ou disqualifie les gens, non pas en fonction de leur passé, non pas en fonction de leur histoire, de leur faille, de leur faiblesse, mais Dieu qualifie ou disqualifie les gens en fonction de leur cœur. Dieu ne regarde pas aux fautes des gens, Dieu regarde à leur cœur. Dieu ne regarde pas au passé, il regarde au cœur. Dieu ne regarde pas aux préjugés des gens, aux avis négatifs des gens, à l'opinion des gens. Il regarde au cœur de quelqu'un pour transformer sa vie. Et comme Dieu ne regarde qu'au cœur pour qualifier ou disqualifier, il m'a dit, c'est la raison pour laquelle, puisque le cœur est le laboratoire, l'usine de fabrication de ta propre destinée, c'est la raison pour laquelle le diable cible en priorité
ton cœur, nos cœurs à tous. Est-ce que quelqu'un me suit? Le diable ne cible pas en priorité ton corps. Le diable cible en priorité ton cœur. Voilà pourquoi, pour plusieurs d'entre nous, le corps est en bien meilleur état de santé que le cœur. Est-ce que quelqu'un est là? Pourquoi ton corps... Je sais qu'il y en a qui sont malades. Je t'assure que pour la majorité des êtres humains, le corps est en bien meilleur état de forme que le cœur. Pourquoi? Parce que Satan cible le cœur d'abord. Il ne cible pas le corps en priorité. C'est le cœur. Voilà pourquoi quand tu regardes attentivement, tu prends les adolescents, tu prends des jeunes, qu'ils soient adolescents ou qu'ils soient jeunes adultes, quand ils ont passé 18 ans, tu remarqueras une chose, c'est que la plupart des jeunes ont un corps en bonne santé. Mais regarde l'état de leur cœur. Déjà, quand tu fais des entretiens avec les jeunes, à 12, 15 ans, tout le corps a l'air bien. Le corps est bien. Mais quand tu vois l'état de l'âme, du cœur, des jeunes d'aujourd'hui, à 15 ans, 18 ans, c'est déjà un passif. Les blessures, les trous, les fissures, les cratères, le rejet, la peur, l'insécurité, les complexes d'infériorité, les comparaisons, la dépression, le découragement, les impudicités, tout ça là dans les cœurs. Des gens pour qui tu dis, oh Dieu. Si tu vois l'état de leur cœur et quand tu les entends parler, c'est toi qui les infantilises. C'est toi qui penses qu'ils sont des enfants. Hein? C'est toi qui penses qu'ils sont des enfants. Ce ne sont plus des enfants. Même à 8 ans, tu n'as pas entendu les histoires aux médias. À 6 ans, un enfant pratique la masturbation. Ah non! Regarde le cœur. Mais ça vient du cœur. L'Esprit m'a dit ceci. Il m'a dit, si le diable ciblait ton corps comme il cible ton cœur, je t'assure que pour la plupart des jeunes adultes, adolescents, si le diable ciblait ton corps comme il cible, il bombarde, il accable le cœur, je t'assure qu'à 18 ans, à 15 ans, avec les rides, les blessures, les trous, les fissures, les traumatismes, s'il attaquait ton corps, à 15 ans, tu allais avoir le corps fatigué, usé d'une personne de 110 ans. C'est parce que le diable ne fait pas de ton corps sa priorité. Il prend en priorité l'intérieur, pas l'extérieur. Mais dans ta vie, dans ma vie, il a échoué au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, dans les Écritures, souvent, le cœur est comparé à un champ ou encore à un terrain. Et de la même manière qu'il est capable, il est possible d'expérimenter la pluie sur un champ et l'autre champ est complètement sec, sans pluie. Et c'est ce que dit Amos, notamment Amos 4, au verset 7. Dieu dit, « Je fais pleuvoir sur une ville et je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre ville. » Un champ a reçu la pluie et un autre champ qui ne l'a pas reçu s'est desséché. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, de la même manière qu'un champ peut recevoir la pluie et un autre champ être complètement desséché parce qu'il n'a pas la pluie, il faut que tu comprennes que deux personnes peuvent être collées. Elles peuvent être dans la même pièce, dans le même environnement, dans la même atmosphère, dans la même nuée de gloire, et ne pas expérimenter la même réalité. Un est arrosé par la gloire, l'autre est complètement imperméable. D'où vient la différence? Le cœur. Est-ce que quelqu'un me suit? Je t'emmène quelque part. Dis seulement amen si tu es là. Et d'ailleurs, cela s'accorde avec les évangiles, où le Seigneur nous dit, c'est ce qui va se passer notamment à l'époque de l'enlèvement, dans Luc 14, il est écrit, donc au verset 34, je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise
et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ côte à côte, l'un sera pris et l'autre laissé. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est la qualité de leur cœur d'abord. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, la toute-puissance de Dieu, la gloire de Dieu, n'a de limite dans la vie d'une personne que la qualité et l'état de son cœur. Est-ce que tu me suis? Voilà pourquoi, dans la parole qu'il envoie, finalement, le Seigneur passe beaucoup de temps à travailler l'état de nos cœurs en permanence. Tu as constaté ça? Ouais. Même quand Dieu donne un enseignement pour te rendre riche, si tu veux, hein, ça ne durera pas longtemps. Ce sera juste un message dans l'année. Le focus de Dieu, c'est toujours ton cœur. C'est le laboratoire, c'est l'usine de fabrication. Si quelqu'un me suit, dit amen. Bon, avant que tu ne dises que dans ton cœur, voilà ce qu'il m'a dit. En fait, c'est là maintenant que je commence et je finis. C'est juste ça. Avant que tu ne dises que non, non, pour toi, dans ton cœur, tout va bien. Hein, parce qu'il y en a qui pensent que tout va bien, qui disent que tout va bien pour eux. Puis surtout les pentecôtistes, on a un langage très chrétien. Même quand il y a l'amertume, il y a la colère, il y a la jalousie, il y a les envies, il y a les rivalités, il y a les disputes. Quand on demande aux gens, comment ça va? Par la grâce de Dieu. Hein? Par sa grâce. PSG maintenant, on a créé PSG. Dans les emails, on abrège PSG. Oh, tout va bien par sa grâce. Et il y en a qui sont convaincus que tout va bien par sa grâce. Alors Dieu m'a dit, avant que tu dises ça, souviens-toi quand même de Jérémie 17, verset 9, où Dieu dit, écoute bien Dieu, hein, quand Dieu dit quelque chose, il faut faire attention. Dieu dit, le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Alors je l'ai pris avec différentes versions pour t'amener à comprendre la profondeur de ce que Dieu est en train de dire. Il dit, le cœur est tortueux et il nous avertit toi et moi. Et il est méchant. Toi, tu penses que tu le connais? Tu penses que tu connais ton cœur? Ok. Oh non, non, moi je suis sincère. Hein. Tu es sûr? La version française courante dit, écoute bien, hein, la version française courante dit, rien n'est plus trompeur que le cœur humain. On ne peut pas le guérir, on ne peut rien y comprendre. Hein? Comment rien n'est plus trompeur, on ne peut pas le guérir, on peut pas le comprendre. Aujourd'hui, je suis amoureux. Demain, il a changé d'avis. Mais l'amour est parti où? Mais il n'y a rien de plus trompeur que le cœur. Non, je sens que je l'aime. Demain, mais pourquoi demain tu changes d'avis? Le jour du mariage, tu nous as fatigués. Je m'engage à t'être fidèle, à t'aimer, à te chérir. Alors après, tu quittes le texte pour maintenant créer tes propres phrases. Je promets vraiment de prendre soin de toi comme la lune prend soin des étoiles. Non, mais tu vois, il y a des romantiques de nos jours. Il y a des romantismes pendant les mariages. C'est terrible. Hein? Mais il y a des phrases. Il y a des poètes. Les gens, tu découvres des talents, des grâces. Non, vraiment, il y en a, franchement, pour moi, ils doivent tester le théâtre, hein, ou le cinéma. Je promets. Je dis, aujourd'hui, vraiment, tout. Mon cœur, il n'y a que toi. Il y a... Hey! Un mois, deux mois, trois mois. Hey! Rien n'est plus trompeur que le cœur humain. On ne peut pas le guérir. On ne peut rien y comprendre. Donc, quand tu as dit ça, quand quelqu'un te dit des phrases là, demande à Dieu de te parler à toi concernant la personne. Ne laisse pas la personne te parler. Demande à Dieu de te parler à propos de la personne. Ok. Bon. Oh non, tu sais, il y a des vérités que les gens n'aiment pas entendre. Tu comprends? Donc,
demande à Dieu, est-ce qu'il m'aime? Il ne lui demande pas, tu m'aimes? Demande à Dieu, révèle-moi s'il m'aime. Révèle-moi si elle va me respecter. Elle dit, je promets de t'être soumise. Seigneur, révèle-moi si elle va me respecter. Ou si après le mariage, elle va faire... Ah, j'arrive pas. Ah, j'arrive pas aussi. C'est toi qui m'as bloqué ou quoi? Hein? Hein? La version Martin dit, le cœur est rusé et désespérément malin par toute chose. Qui le connaîtra? La version du semeur dit, le cœur est tortueux plus que toute autre chose et il est incurable. Bon, là, vraiment, heureusement que l'Esprit m'a parlé. Parce que quand j'ai lu ça, ça m'a gêné. Il dit, il est incurable. Qui pourrait le connaître? Et puis l'Esprit m'a dit, non. Le cœur, ça, ils ont écrit ça dans l'Ancien Testament. C'était avant que ne vienne le Saint-Esprit à l'intérieur de l'homme. Pour être capable d'appliquer dans la vie de l'homme, Luc chapitre 4, verset 18, où il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, virgule, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc, ça, c'était hier. Voilà. Il faut l'adapter à la révélation. Heureusement que Dieu lui-même, quand il est venu habiter en nous, il est le seul capable de guérir. Et il peut désormais guérir. Donc, le cœur était, mais il n'est plus incurable depuis que le Saint-Esprit est venu habiter. Acclame-le, acclame-le. Bénis Dieu, bénis Dieu. Il est le seul guérisseur des cœurs brisés. Aucun psychiatre, psychologue ne peut guérir le cœur brisé. Il n'y a que le glorieux Saint-Esprit, par sa glorieuse présence, qui soit capable de guérir. Oh, merci pour ton ministère. Balado shakabarate. Verset 10, il dit, moi, l'Éternel, je sonde les cœurs, je scrute le tréfonds de l'être pour donner à chacun ce que lui auront valu sa conduite et les effets de ses agissements. Quelqu'un dit amen. Alors, j'ai étudié en hébreu la signification, le cœur est tortueux. J'ai étudié pour toi. Et ce que ça dit, c'est que le cœur est tortueux, ça signifie il est tordu. Il est corrompu. Il joue des tours. Le cœur, c'est le titre de mon message. Ton cœur te joue tellement de mauvais tours. Il te fait croire que ça c'est l'amour. Alors que ce n'est pas l'amour. Mais regarde, comment il s'appelle là, celui qui a violé Tamar? Amnon. Amnon est pris, il dit qu'il est amoureux de sa demi-sœur. Au point de la violer, il appelle ça l'amour. Et dès qu'il a violé, il a été pris d'une haine démoniaque pour la même personne. Pourquoi? Le cœur te joue des tours. Il joue des tours, il fait des tours de passe-passe. Voilà pourquoi certaines versions disent, il est trompeur. Il joue des tours. Il te fait croire des choses qui sont fausses. Il est frauduleux. Ou encore, il ment. C'est ça, ce sont des synonymes de le cœur est tortueux. Il te ment, il est frauduleux. Il te fait des tours de passe-passe. Il embrouille tes sentiments, il embrouille tes émotions. Tu penses que ça c'est bon. Tu penses que... Il te donne des préjugés. Il te donne des impressions qui sont fausses. Il te fait croire de quelqu'un qui est bien, qu'il est mauvais. Et de quelqu'un qui est tordu, qu'il est bien. Comment? Le cœur tortueux, tordu. Il te fait des tours de passe-passe. Voilà pourquoi Dieu dit, tu peux le connaître. Sous-entendu, tu ne le connais pas. Toi, tu ne le connais pas. Shut up. Oh, je me connais. Tu ne te connais pas. Tu ne connais pas le cœur. Celui qui le connaît, c'est Dieu. Personne. Voilà pourquoi, un, tu ne connais pas ton cœur. Deux, nous, on ne connaît pas. On espère
connaître. On pense connaître. On espère ne pas se tromper. Mais la vérité ici, c'est qu'il n'y a personne qui peut dire tu connais à 100%. Même les couples mariés découvrent qu'ils ne se connaissent pas. Les femmes découvrent que le mari l'enfume. Le mari découvre que la sœur aussi, elle n'est pas petite. Elle n'est pas petite, comme on dit en Côte d'Ivoire. Elle n'est pas petite aussi. Hey! Des fois, elle pleure. Le gars se sent ému. Oh, attention, hein. Écoute-moi, écoute-moi. Frère, ne pense pas qu'une soeur qui pleure, c'est un message. Non, parce qu'il y en a dès qu'une soeur pleure. Oh là là, tu as vu le procès là, Amber avec Johnny Depp. Amber, là, vous avez vu là, Amber là, c'est ça non, Amber non, avec Johnny Depp. Tu l'as vu au procès, la manière dont elle parle. Il m'a fait si. Bon, moi, honnêtement, hein, même ma femme, quand on regardait à la maison, tu dis, tu sens qu'elle ment. Mais tu sens là de la manipulation. Les larmes ne sont pas un message de sincérité. Ah non. Moi, c'est pour ça, maintenant, quand il y a des soeurs, quand elles pleurent, elles disent, maman pleure. Hein. On est en train de te dire la vérité, on est en train de te réprimander, et tu dis, non, je vais continuer de te parler même si tu pleures. Tes pleurs ne m'arrêteront pas. Tu vas encaisser la vérité. Comment ça? Et dis amen, non? Alors je dis aux jeunes qui veulent se marier, il y a des soeurs quand elles pleurent. Appelle la Madeleine, ok? Quand elle pleure, c'est pas elle, c'est un esprit de manipulation. Oh non, mais moi, excuse-moi, moi j'ai tellement vu ça, et Dieu merci, j'ai le discernement quand même par sa grâce. Donc, un jour, il y a une soeur qui pleurait devant moi, j'essaie de lui dire ce qui va pas, et puis elle rentre dans les sanglots, façon de me dire non, mais vraiment, tu sais, je fais pas exprès. Et j'ai dit non, et puis je lui dis, je sais que c'est pas toi qui es en train de pleurer, je sais que c'est pas toi. Parce que je voyais l'esprit de manipulation. Je dis, c'est pas toi. Tu essaies de m'embrouiller, de me tuer, non? Que j'ai... Parce qu'il y en a, ils vont te raconter des histoires. Un tel a fait ça, un tel a fait ci, il a fait ça. Et puis dès qu'elle pleure, il y en a qui pensent que parce qu'elle pleure, elle dit vrai. C'est faux. Il y a des gens qui ont la manipulation. Mon frère, le cœur demande à Dieu, Dieu, ce qu'elle dit là. Qui est-elle? Qui est-elle? Montre-moi le cœur. Pas les larmes. Montre-moi pas ses larmes, son cœur. Surtout les tempéraments, les tempéraments gentils, la mère Teresa là. Dès que quelqu'un pleure, oh non, faut pas pleurer du coup. Oh non, okay, comme tu pleures, j'arrête. Non, continue de la confronter. Continue. Ok. Ah, tu n'aimes pas, hein. Ok. Moi, je viens te libérer. Hein. Bon, parce que ce que je t'ai pas dit. Quand j'étais un converti, j'avais une approche. Comme les sœurs, les larmes sont un message pour elles. Donc, j'avais une approche pour... Ça fait longtemps, hein. Hein? Faut pas regarder Maman Maud, hein? Ça fait longtemps. Hein? Ça remonte à plus de 30 ans en arrière. Non, on ne me juge pas pour il y a 30 ans en arrière. Hein? Sans effet. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais dis amen, non, toi aussi. Oh. Miséricorde. Mais j'avais quand même une approche. Hein? Donc quand j'approchais la ciste, la go, là, tu comprends? Hein? Et puis comme je sais qu'elles aussi, elles sont parfois, pas toutes, hein, naïves. Dès qu'un homme pleure, oh, un homme qui pleure, c'est un homme sensible. Mais non, il y a des manipulateurs. Réveille-toi bébé, réveille-toi. Alors moi j'avais une technique. C'est pour ça que quand tu fais ça avec moi maintenant, mon gars, je suis passé par là avant toi, hein, tu comprends non? J'ai été un éclaireur avant toi, attention. Va enfumer les gens, mais pas ICC, pas le pasteur Ivan, mais pas mes frères et mes soeurs. Laisse mes filles tranquilles. Paracapara, fire. Miséricorde. Non, moi j'avais un truc, hein. Quand je voulais faire un...
Dès qu'on parle des parents, je me mets dans la tête que mes parents sont morts. Je te dis, je crée d'abord l'image mentale. Parce que comme pour que les larmes sortent, tu comprends? Il faut d'abord accepter, créer une image. Donc, j'imagine mes parents morts. Alors qu'ils étaient bien vivants. Et comme j'ai visualisé la scène et je l'ai acceptée, j'arrive à faire sortir les larmes de mes yeux. Et puis il a dit, alors tes parents? En fait, ma mère est morte. Quand j'avais tel âge, la soeur tout de suite, naïve là. Oh, il pleure. Un homme sensible. Eh, ma soeur. Demande à Dieu quel est son cœur. Demande à Dieu. Demande à Dieu. Dis avec moi, aïe, 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 aïe. Ah ben oui. Il y en a qui se sont mariés parce que le gars, il a pleuré. Tu lui as dit, je n'ai pas la conviction. Il s'est mis à pleurer. Oh mon Dieu, c'était la femme, tu étais la femme de ma... Et comme il a pleuré, tu dis, non, ne pleure pas, ne pleure pas. Ok, j'accepte, j'accepte. Hey! Tu as invité le dragon dans ta famille, dans ton foyer, dans ton histoire. Le cœur est tortueux. Le cœur est tordu. Est-ce que quelqu'un est là? Oui. Dis à quelqu'un, demande à Dieu de révéler son cœur. Alors, comme la plupart des gens, comme le corps est tortueux, du coup, comme il te joue des tours, la conséquence de ça, c'est que parfois, souvent, ton cœur va mal. Et toi-même, tu ne t'en rends pas compte. Quelqu'un me suit? Ton cœur est mauvais, il est sale. Mais comment il te joue des tours? Des fois, c'est même pas que tu es méchant, tu fais exprès. Ce n'est pas des fois que tu es hypocrite ou que tu mens. C'est juste que le cœur te ment. Ce n'est pas toi qui mens. Parce que pour toi, ça va. Mais ton cœur, si Dieu te le montre, tu dis, hein, c'est moi ça. Les motivations profondes. Hey, tu dis, hey, Seigneur, c'est moi ça. Ah, je n'avais pas vu. Voilà pourquoi tu as besoin de Dieu pour te révéler l'état de ton cœur. Et Dieu m'a dit ceci. Lorsque tu penses que ton cœur va bien, alors que, et que tu penses qu'il n'y a rien du tout, sans demander à Dieu de te révéler le vrai état de ton cœur, il m'a dit que tu es comme un patient qui va voir le médecin. Tu prends rendez-vous chez le médecin, une visite de routine. Le médecin vous demande, ça va? Oui, ça va. Tout va bien? Tout va bien. Rien à signaler? Rien à signaler. Bon, allez. Pourquoi vous êtes venu faire? Pourquoi vous êtes venu me voir? Je suis visite de routine. Bon, comme vous êtes là, on va quand même faire analyse. On va prendre l'attention. Je vais quand même faire des analyses. De toute manière, à un certain âge, à 40 ans, 50 ans, de toute façon, il faut faire des bilans sanguins réguliers. Pour toi, tout va bien. Et puis quand on te ramène les analyses, un gars te dit, oh, ah monsieur, cholestérol. Beaucoup de gras là, hein? Ouh là là. La tension, c'est pas tellement. Ça peut aller, mais attention, hein. Il te révèle cholestérol élevé. Votre foie, parce que le foie, quand il est gras ou il est normal, tu ne sais pas. Oh, le foie est gras. Oh, oula. Et les reins, ils souffrent un peu là. L'arthrose, bon, vous ne sentez encore rien, mais attention, parce que vos os sont en train de se fragiliser de plus en plus. Et quand il te sort les analyses, tu dis en beau. Mais pour moi, tout allait bien. Mais en fait, ça n'allait pas. Voilà pourquoi tu ne peux pas t'appuyer sur ta propre analyse, ton propre discernement pour connaître l'état de ton cœur. Tu es comme ce médecin, ce patient qui va chez le médecin et qui pense que tout va bien, jusqu'à ce que le médecin lui demande que ça ne va pas. Parce que lui, il a les appareils pour sonder l'intérieur. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors Dieu m'a dit qu'il connaît le cœur mieux que toi. C'est pourquoi il faut constamment ne pas t'appuyer sur ce que tu penses, savoir, connaître, mais pratiquer la prière de David. Que tu connais, on va la lire avec la version Parole de vie. Psaume 139, versets 23 à 24. Ô Dieu,
regarde au fond de mon cœur et connais-moi. Examine mes pensées et vois mes soucis. Alors, la version 8 secondes dit connais mes pensées. Mais le texte grec là, le texte hébreu ne dit pas pensée. Il dit les pensées alarmantes, les pensées dangereuses, les pensées bouleversantes, les pensées qui ne sont pas tes pensées à toi. C'est pour ça que Parole de vie traduit par vois mes soucis ou encore vois les pensées qui sont des pensées qui donnent l'alerte que ça ne va pas. Révèle-les-moi. Regarde si je suis sur un chemin dangereux et conduis-moi sur ton chemin, ce chemin qui est sûr pour toujours ou encore sur le chemin de l'éternité. Parce que la gloire de Dieu, la présence manifeste de Dieu que tu vas expérimenter de ton vivant va totalement dépendre de la nature, de la qualité de ce cœur. Alors, je te supplie, la gloire t'a touché, mais sois une personne qui crie à Dieu toujours, montre-moi l'état de mon cœur. Ne le laisse pas me jouer des tours de passe-passe. Je t'en supplie, fais-moi grâce. Incline la tête avec moi. Pare do amarache, de barecha to la mare, dos cabarat, nemarantos que venemara, shabara do dozi, ayara da boro, shabara mare, shabara mara, shabara. Tisa de mare. Recommande ton cœur à Dieu. Recommande ton cœur à Dieu. Purifie-moi, oh Jésus, purifie-moi, purifie-moi, oh Jésus, purifie-moi, examine-moi, examine-moi, oh Jésus, examine-moi, examine-moi. Oh Jésus, examine, Seigneur, sonde-moi, sonde-moi. Oh Jésus, sonde, oh sonde-moi, sonde-moi. Oh Jésus, sonde, examine-moi, examine-moi. Oh Jésus, examine mon cœur, sonde-moi, pénètre mes pensées, examine-moi, examine-moi, oh révèle-moi, révèle-moi mon propre cœur, ne me laisse pas me séduire par des faux raisonnements, ne me laisse pas perdre, me tromper. Ne me laisse pas tromper par les forteresses. Ne me laisse pas tromper par les voix mensongères. Examine. Parce que le diable aussi construit ses forteresses dans le cœur. Voilà pourquoi le cœur, depuis le péché, est tortueux. Parce que le diable y a mis ses prisons, ses forteresses. Du coup, tu ne sais plus ce qui est vrai. Tu ne sais plus ce qui est pur. Tu ne sais plus ce qui est authentique et ce qui est corrompu. Oh, s'il te plaît. Examine-moi. Tu penses être sincère alors que tu es hypocrite. Tu penses être bien disposé alors qu'en vérité tes motivations sont mauvaises. Examine-moi, révèle-moi l'état de mon cœur. Révèle-moi l'état. Ne me laisse pas me séduire. Examine-moi. Père, examine-moi. Je t'en supplie, oh Jésus, examine-moi, purifie-moi,
purifies par ton feu divin. Purifie-moi par ta parole. Jésus, purifie-moi. Purifie-moi par ta parole. Jésus, par ton esprit. Purifie-moi. Oh, purifie-moi. Des mensonges, délivre-moi de la fausseté, délivre-moi des dépôts qui ne sont pas tiens, délivre-moi des analyses, des convictions, des témoignages intérieurs qui ne sont pas tiens, délivre-moi de soi-disant réma alors que c'est pas toi qui as parlé. Oh, purifie, mets ta lumière sur mon cœur. Révèle-moi, Seigneur, mon bilan de santé, mon bilan véritable. Sonde-moi, ne me prive pas de ta gloire. Oh, je t'en supplie, ne me laisse pas sec, ne me laisse pas hypocrite, ne me laisse pas sec. Ne me laisse pas avec un cœur mauvais, je t'en supplie. Ne me laisse pas avec un cœur tortueux. Oh, guéris-moi, Seigneur, guéris-moi. Oh, que c'est Jésus, guéris mon cœur brisé. Oh, guéris-moi. Chaque jour et chaque nuit, chaque jour et chaque nuit. La force du Saint-Esprit. Oh, guéris-moi. Oh, Jésus, guéris-moi. Chaque jour et chaque nuit. Chaque jour, chaque nuit. Par la force du Saint-Esprit. Guéris-moi. Oh, Jésus, guéris-moi. Chaque jour et chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, oh guéris-moi, oh Jésus. S'il te plaît, Seigneur, c'est ta parole qui est la vérité. Ce n'est pas nous, c'est ta parole qui est la vérité. Notre avis n'est pas la vérité. Notre opinion n'est pas la vérité. Notre perception n'est pas la vérité. Notre impression n'est pas la vérité. C'est ta parole qui est la vérité. C'est ce que tu as dit qui est vrai. Alors ne nous laisse pas nous confier dans nos propres émotions, sentiments, jugements, analyses, perceptions. Parce qu'elles sont biaisées, faussées par les prisons intérieures, par les blessures intérieures, par les dépôts souillés intérieurs. Alors s'il te plaît, montre-nous l'état de nos cœurs et guéris-nous. Parce que nous voulons demeurer dans ta gloire, manifester, habiter dans ta gloire, être des hommes et des femmes de ta présence. Alors délivre-nous de tout ce dont nous ne sommes pas conscients et qui vient pour tordre nos cœurs. Guéris-nous et accorde-nous la grâce de demeurer dans ta présence manifeste, d'habiter la gloire de Dieu et d'exprimer la gloire de Dieu. Merci pour ta parole. Elle vient nous interpeller, elle vient nous alerter sur le danger de se confier dans notre propre analyse. Pardon pour les erreurs que nous avons commises. Guéris. Et conduis-nous désormais, quel que soit l'endroit où la vie nous avait égarés, ramène-nous sur le chemin de la vérité et conduis-nous sur le chemin de l'éternité avec toi. Au nom de Jésus le Christ, nous t'avons ainsi prié, avec action de grâce. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Dis la tête là où tu es. Je ne saurais clôturer ce culte sans te donner à toi qui est là pour la première fois ou qui est là connecté au son de ma voix. Peut-être pas la première fois, mais tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu.
Ou alors à toi qui avais marché avec Dieu. Tu es là, connecté ou en présentiel, mais tu sais que ton cœur s'est éloigné de Dieu depuis longtemps. Parce que tu t'es séduit toi-même par des faux raisonnements. Mais tu as entendu cette parole et elle t'a montré qu'en fait tu t'es vraiment auto-séduit. Ton cœur t'a joué des tours de passe-passe. Reviens à lui. Comme l'enfant prodigue est revenu à la maison, reviens à ton Créateur, reviens à ton Père. Il ne te condamne pas, il te convainc seulement que tu n'es pas au bon endroit. Là où tu es connecté au son de ma voix, en présentiel ou sur Internet, veux-tu simplement lever la main et faire cette prière de repentance pour revenir à lui? Dis avec moi, Père, dans le nom de Jésus, je te demande pardon. Je me suis éloigné. Mon cœur s'était éloigné. Même quand mon corps était là, mon cœur s'est détaché. Ce matin, je reviens à toi. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin d'être. Pardonne-moi. Lave-moi dans le sang de Jésus. Réécris mon histoire. Et fais de moi la personne que tu m'as appelé à être. Pour ta seule gloire. Abba Père, au nom de Jésus. J'ai prié avec action de grâce. Amen. 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 Amen.